Alors, tac, je reprends le programme. Voilà. Ah, le coup de cœur du soir. Alors, le Zanella Trio. Donc ça, vous allez voir, c'est un trio très sympa. Alors, c'est un trio avec un harmoniciste. Et donc, je vais vous passer ça. Donc, il y a un morceau que j'aime bien. Et où est-ce que j'ai mis la vidéo? Ah ben, si je l'ai supprimé, ça va être difficile. Bon, attendez, je vais retrouver ça. Ah non, elle est là. Ah non, elle n'est pas là non plus. C'est un peu. Ah ben, j'ai supprimé. Quel ballot. Alors, attendez, je vais retrouver ça rapidement. Voilà. Tac. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi. Attendez, Zanella Trio, c'était Footprints. Voilà, tac. Donc, alors vous allez voir, c'est très original comme morceau. Vous voyez bien l'écran toujours? Oui, ok. Donc, c'est un morceau qui a été écrit par Wayne Shorter, qui était un grand saxophoniste de jazz. Et donc, c'est un morceau qui s'appelle Footprints. Et donc, vous allez voir, je ne vais pas tout vous passer, mais un petit extrait, parce que ça dure quand même 7 minutes. Et ce qui est original, c'est qu'en fait, c'est un morceau à 6 temps, ce qui est très rare, puisque les morceaux, c'est soit du 2 temps, la polka, par exemple, c'est du 2 temps. La valse, c'est du 3 temps. Et puis la plupart des morceaux de jazz ou de chansons françaises ou de slow, etc. Hey Jude, ça fait du 4 temps. Okay? Bon, et le 5 temps, ça existe. Alors il y a un morceau qui s'appelle Take 5 de Dave Brubeck qui est très très connu en 5 temps. Et puis là, c'est du 6 temps. Donc, c'est assez original. Donc, j'ai envie de vous passer ça. Et puis, bon, c'est super bien joué. Et l'harmonie ici, c'est très, très bon avec un très joli son. Et voilà. Donc, je vous passe ça. Un petit extrait, au moins le thème de Footprints de Wayne Shorter par Zanella Trio. Alors, je vais commenter en même temps. Ce que vous voyez ici, en fait, vous avez un guitariste à 6 cordes, guitare à 6 cordes. Là, vous avez une guitare à 4 cordes et c'est une guitare basse. Et donc, en fait, ce n'est pas une basse électrique. Donc, il y a juste un petit fil parce qu'il y a des micros à l'intérieur pour que la guitare soit sonorisée, plutôt que d'avoir un micro en face de la guitare. Et en fait, c'est une guitare acoustique. Donc, c'est de la guitare basse acoustique. C'est très beau. Hein. Donc, voilà, une guitare basse acoustique, guitare, on va dire, traditionnelle et harmonica. C'est l'improvisation. En fait, c'est un morceau modal, c'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps sur les mêmes accords. Enfin, c'est quasiment le même accord tout le temps. Ça fait tout le temps ça.
Et en fait, on se balade sur un mode, quoi, et c'est vraiment, vraiment très beau, quoi. Ça donne un côté très aérien à la musique. Voilà. Et alors, en fait, donc, il joue ce morceau, et puis, il y a un autre morceau qui est très beau. Enfin, vous verrez, hein, je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo. Et voilà, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. Voilà, c'est Black Orpheus, ça, c'est la musique du film Orfeo Negro. Et pareil, un petit extrait. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus tonal. Donc il y a vraiment toute une structure harmonique derrière. C'est pas juste un même accord qu'on plaque comme ça en continu. Et c'est vraiment très beau également. Bon, c'est une bossa nova cette fois. Alors là, par contre, vous avez une basse électrique cette fois. Hein. Donc là, cette dame-là, une, deux, trois, quatre. 5 cordes visiblement, voilà. Donc en fait, c'est d'habitude la basse électrique, c'est 4 cordes, et là visiblement c'est une 5 cordes. Donc voilà, ça arrive aussi, ça existe aussi. Et cette fois-ci, c'est une basse électrique, et donc là, le même guitariste et le même harmoniciste. Donc ça s'appelle Black Orpheus ou Orfeo Negro, la chanson d'Orphée aussi, on dit ça en français. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour aller voir le site du groupe, si ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Très bien.